Salut à tous, c'est Trunkan, on se retrouve à nouveau dans Zelda Twilight Princess, pas HD, hein, la version GameCube. Parce que pourquoi pas. On a donc retrouvé le miroir les ombres. Et on nous a dit, ouais, alors il y a plein de choses à faire en fait, voilà. Tu rends compte, Link, c'est trop chaud la vie, voilà. Des trucs comme ça. C'est fifou, voilà. C'est fifou. Et on nous a dit en gros, ouais, machin, tu rends compte. Voilà. En fait, je me rappelle plus du tout. Mais en gros, on a les morceaux du miroir des ombres à récupérer. Il en manque 3. Et il va falloir qu'on aille les chercher. Donc le château d'Hyrule, c'est vrai qu'il est Goa'uldé. Monsieur Link! Ah, c'est vrai, tu m'as pas manqué, toi. Le voilà, Monsieur Link! J'ai du courrier pour vous! C'est la lettre envoyée par Cramé! Ah, qui va me dire que j'ai des bombes. Que j'ai des bombes que j'ai achetées il y a 3 épisodes? Merci. Connard. Quel artichaut. Et alors, Saboum, j'espère que tu t'éclates tous les jours avec mes bombes, j'ai un nouveau modèle exotique. Oui, bah oui, je connais. Merci. Merci Cramé d'être toujours à la bourre. Enfin non, c'est plutôt le facteur qui est toujours à la bourre. Donc il faudrait qu'on aille voir Thelma en fait, pour qu'elle nous donne des infos. Basiquement, si j'ai bien compris. Alors on peut pas encore sauver le mec en or, hein, puisqu'on n'a pas tous les... On n'a pas tous les... Comment ça s'appelle? On n'a pas capturé tous les fantômes. Il nous en manque genre 9, je crois. On en a 11. Bon, si on a des... si on en galère, on appellera Guzeix, hein, promis. C'est ouvert, ah bah super. Ah, c'est le facteur. Quoi choisir? Quoi choisir? Un plat de viande comme début? Ok. Ferait mieux de livrer le courrier à l'heure, toi, au lieu de bouffer. Oh. Tiens, tiens, mais c'est Link. Je me rappelle plus de savoir. Alors, vous étonnez pas dans Zelda, hein, que je me rappelle plus des voix des PNJ. C'est gentil à toi d'être venu, tout va bien? En tout cas, tu tombes bien, nous étions justement en train de parler de toi. Hey. Regardez tout le monde. Link est venu nous rendre visite. Je les ai déjà rencontrés, eux. Ce sont les fameux compagnons dont je t'ai pas... Ah non, d'accord. Ceux qui tentent de rétablir la paix en Hyrule. En fait, ils ne sont pas tous là. Il se passe des choses bizarres dans les montagnes au nord. Et elle y est allée en reconnaissance. C'est une jolie fille qui s'appelle Ash. Si tu la vois, prends le temps de parler avec elle. D'accord. Allez, maintenant que tu es là, ne t'enfuis pas comme un voleur. Prends le temps de souffler. Ok. Ah, j'ai seulement dit qu'elle était préoccupée par les pics blancs et elle est partie. Ok. Merci le nain. Bah, je me casse, hein. Je veux me téléporter. Non. Oui. Le village des Sora.
Ah, ce qui est bien, c'est que c'est pas loin du village des Zora, du coup. Donc on va pouvoir enchaîner. C'est bien fait. Ok, on arrive en plein milieu. Oh là là, un endroit désert, mais va niquer, t'es mort. C'est bon, là, personne nous voit. Mais personne nous voit, Navi, je sais plus comment il s'appelle. Comment elle s'appelle? Midna. On s'en fout. Ok. Il y a une torche là-bas, mais il n'y a pas de... Bon, salut. Il semblerait qu'un... C'est un monsieur ou une madame? On sait pas. Il semblerait qu'un être bizarre se montre dans notre village dernièrement. Je ne l'avais pas vu personnellement, mais je pense que certains du côté du bassin de la cascade l'ont aperçu. Ok. Poisson man. La beauté de notre reine n'avait d'égal que sa fierté. J'aurais souhaité pouvoir te la faire rencontrer, voyageur, mais malheureusement, c'est désormais impossible. Non mais je l'ai vu. T'inquiète. Comme tu le vois, la salle du trône est vide, sans personne pour les guider. Je crains que notre peuple ne sache quelle voie emprunter. Alors quand je pense qu'il est peut-être arrivé quelque chose à notre prince. Peut-être es-tu déjà au courant, mais on dit que l'homme Beit des neiges est récemment descendu jusqu'à notre village. C'est vraiment très rare qu'il descende de la montagne. Je me demande bien ce qu'il amène chez nous. Est-ce que c'est Umaro le Yeti? Ce serait rigolo. Garder la salle du trône à présent qu'elle est vide est d'une tristesse infinie. D'autant que la reine était très proche de son peuple. Mais jusqu'à ce que notre prince revienne, il est de notre devoir de protéger cet endroit. Certes. Il semble que les troubles qui s'abattent sur nous depuis la disparition de la reine ne prendront jamais fin. Est-ce que tu as vu ce rocher qui a coulé au fond de l'eau? À première vue, on dirait une roche magmatique, mais alors d'où est-ce que c'est bien probable? D'où ça vient? Alors, c'est une longue histoire. Papa, papa, papa. Voilà, faut bien que je fasse attention. Ah bah non mais... Ah mais oui mais c'est inversé. Parce que moi je veux aller vers l'est. Du coup je vais à gauche. Sauf que non. Enfin, techniquement, ici c'est l'est. Mais sauf que si on me dit d'aller vers l'est, ça veut dire qu'il faut que j'aille à l'ouest. J'ai attrapé une libellule masculine. Fantôme. Ok, donc c'est de l'autre côté évidemment. Puisque le jeu est en miroir évidemment. Rappelez-vous, c'est de la merde. Massif des pics blancs est une région très dangereuse. Ces derniers temps, en plus du climat qui s'est détérioré,
L'homme bête des neiges est venu rôder ici. Nous avons donc renforcé la garde. Ok. Bah si l'homme bête des neiges est venu. Le salaud. Sérieux, faut que je parle à quelqu'un en fait. Ah non, faut juste que je rentre là. Ah, je t'avais pas vu toi. On a vu un être étrange aventurer parfois dans les environs. Je me demande si cette information est parvenue jusqu'à la salle du trône. Oui, oui. L'homme bête des neiges. Les pics blancs. Je te connais, tu t'appelles Link, c'est ça? Ah, ce serait pas toi la bête des neiges? J'ai entendu beaucoup de choses sur toi. Je m'appelle Ash. Je vais régulièrement à la taverne de Thelma. C'est la meuf a dit. Je m'appelle Ash, j'adore picoler. Ok. J'ignore si tu es au courant, mais cette zone est très dangereuse. Depuis que le village d'Aura a été congelé, il règne ici un froid beaucoup plus intense. Et de plus, les Aura m'ont relaté une bien curieuse histoire. Récemment, le Yeti qui réside au plus profond de la montagne apparaît fréquemment au village. J'ai décidé de me poster ici, et effectivement, il est apparu. Il ressemblait à peu près à cela. Vous savez, le croquis du Yeti, c'est un dessin hâtif d'un énorme singe blanc tenant un poisson rouge. What? Ok. Il semblerait qu'il vole des poissons rouge sang. J'aimerais pouvoir en découvrir un peu plus, mais avec ce blizzard, impossible de suivre sa trace. Je suppose que toi aussi, tu es là parce que la montagne t'intrigue, mais je te déconseille de t'y aventurer avant d'être sûr de savoir où aller. Ok. Bah on se casse alors. Bon, comment on remonte à Cascade? Qu'est-ce que tu en penses? Elle est impressionnante cette chute d'eau, non? C'est la plus grande cascade du coin. En plus, cette cascade s'élance directement depuis la salle du trône. Si tu veux te rendre à la salle du trône, je peux t'y mener. Ah oui. Eh bien, dans ce cas, grimpe sur mon fion. Ah, ça rend beaucoup mieux dans Breath of the Wild. Ah non, l'inventaire. C'est compliqué, hein. C'est vous qui avez dessiné ça? C'est l'homme bête des neiges. Oh, le truc rouge en ses mains. C'est un poisson, n'est-ce pas? C'est sûrement une truite fétide. D'accord. Et toi? Sous poisson que tient notre créature de neige. Le prince Lars était très habile pour pêcher cette espèce. Oh, votre altesse, où êtes-vous à présent? Prince Lars. Ah ah. Bouh. La truite fétide est un poisson qui vit près des deux rocs. Elle a une odeur très particulière, mais sa chair est extrêmement riche en vitamines. Aussi, nous prenons grand soin de son vivier. Il est impossible de ne pas penser à notre prince en voyant ce poisson. Votre Altesse, où êtes-vous?
D'accord. D'accord. Je me rappelle plus si on l'avait vu quelque part, Lars. Avec son cocorico. De toute façon, la dernière fois qu'on l'a vu, il était là-bas. Et j'imagine qu'il est parti voir sa maman. Un petit cœur? Rien du tout, super. Merci les gens. Ah mais c'est pas là le cimetière, mais quel abruti. Ah, c'est vrai que l'eau ça ressuscite. Ressuscitez-nous. Le cimetière c'est ici. Je crois que c'est là-bas. C'est ça. Toujours aussi accueillant. Attraper une fourmi mâle. C'est un insecte, ouais, d'accord. Tout ça. Oula. Ah oui, c'est vrai. Oui, on connaît. On connaît, merci. On connaît. Au cas où t'aurais oublié. Et lui il reste là toute la vie quoi. Vous êtes Link, c'est ça? Mère m'est apparue en rêve, elle m'a montré votre image. Elle m'a aussi dit qu'un héros du nom de Link nous avait sauvés. Moi et mon peuple. Eh bien c'est vrai. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez fait. Si je puis vous aider de quelque manière que ce soit, faites-moi en part sans les tours. Je vous en prie. Eh bien justement. Il se trouve que... C'est l'homme animal vivant au pic blanc, n'est-ce pas? Mais le poisson sang et or qu'il tient dans ses mains... C'est la truite... Merde. Les sang et or. C'est la truite lançoise. C'est un poisson très rare appelé truite fétide. Ces poissons ne vivent que dans notre territoire. Ils sont très friands d'une sorte de corail très rare. Sans celle-ci, même nous aurions des difficultés à en attraper. Bien sûr, Link, ma boucle d'oreille fut justement taillée dans ce corail. Ah bah, ayons. Tenez, je vous en prie d'accepter ce modeste présent. Tenez, la boucle d'oreille de corail. En forme d'hameçon, ce bijou est fait dans le précieux corail du village des Zora. Vous l'avez monté comme hameçon. Quel bâtard. Ah, merci pour ton bijou, je vais le mettre comme hameçon pour ma canne à pêche. Honteux. Vous pouvez aller taquiner la truite fétide. Super! Tout ce que j'ai envie pour faire avancer ce scénario, c'est pêcher. Cette boucle d'oreille m'a été donnée par ma défunte mère. Mais je n'ai nulle peine à m'en séparer, je n'en ai plus besoin. Je crois que
crois comprendre maintenant les dessins de, que votre apparition devant elle a fait naître en mer. Voilà, c'était compliqué comme phrase. Je sais ce que j'ai à faire. Il me faut retourner au village. Bah oui. On trouve les truites fétides aux alentours des deux rocs, dans le bassin de notre cascade. Ces poissons sont rouges. On n'aurait aucune peine à les reconnaître. Ouais. J'ai envie de pêcher, quoi. Ok. Alors, on va mettre la... la tenue bleue. Et les bottes. Mettez les bottes. Dark Souls. Ah bah non, on va falloir trouver le... la façon de revenir. C'est bon, on peut enlever le... Il faudra de toute façon que je retourne dans les donjons histoire de... récolter les derniers coffres que j'ai pas pu looter la première fois. T'es qui toi? Il se passe rien. Oh, un humain, je m'appelle Prune. Et c'est moi, c'est moi. Mais l'humain n'a pas besoin de moi, de moi. D'accord. Ok. C'est pas ce qui s'est passé. Je voudrais me téléporter. Au village des heures. Un poisson rouge. Le mec il nous a quand même donné un cadeau de sa mère et nous on l'a monté en hameçon sur notre canapé, je crois. C'est pas le genre le summum de l'irrespect. Comment on joue, évidemment. C'est bon, je me rappelle.
Après, il est tellement dans mon gueule avec son bras tendu en l'air comme ça. Vous avez pêché une truite fétide de 70 cm. Ce poisson très rare ne se trouve qu'aux alentours, à du village des Aras. Il a une odeur assez intense. Appuyez sur Start pour voir sur l'écran de quai tous les poissons que vous avez pêchés. On s'en bat la vue. On va traquer son odeur. Mais là, on fait un malaise. Bi-odeur de spectre et mauvaise. Oui, oui, bien sûr. Vous avez appris l'odeur fétide. Ah, c'est super. C'est dégueulasse. Et du coup, on va pouvoir pister le Yeti. Eux, ça les gêne pas de voir un loup chelou comme ça qui se balade chez eux, alors que c'est des poissons quoi. Qu'est-ce qu'il y a eux ? Allons, on bat les couilles. On évite de tomber dans l'eau gelée, hein, ça doit pas être agréable. Calmez-vous. Oh, le réflexe quoi, prêt pour le combat. Hein. Genre, je me suis perdu dans le blizzard. Non mais sérieusement, c'est dégueulasse. Ça, c'est débile. Genre, je me suis pas perdu, quoi. J'ai juste tapé un mec et... Donc en gros, faut pas aller au combat, quoi.